Bon, à la suite de ça, bon, il restait toujours un petit os, vous voyez. Oui. Maintenant qu'il a grossi, malgré. Oui, il y a eu le dessus, mais enfin, il y a toujours. Ce premier os, toujours, qui était resté implanté un petit peu, et c'est ça qui, malgré. Quand les hivers étaient très très durs sur la piste de Vincennes, il avait toujours une petite sensibilité qui était là. Hein. Oui, ça, c'était son grand antigap, toujours. Hein. Mais bon, sinon, le tendon était normal, hein, mais il fallait toujours surveiller 24 sur 24. Hein. L'autre tendon, non, était bon. L'autre tendon, celui-là n'a jamais bougé. Celui-là n'a jamais bougé. Hein. Oui, celui-là est toujours resté sain comme il est là, hein, comme on le voit aujourd'hui avec nous. Hein. Bon, ses jarrets, bon, plus ou moins, toujours un petit peu plus sensible. Hein, parce que comme il allait sur des pistes qui étaient très dures, à ce moment-là, dans le métier d'hiver, il fallait surveiller de près. Hein. Voilà, là, c'était le grand hic de tout. Hein. Avec des jambes très bien, il n'y avait aucun problème, c'était le grand diable que personne ne pouvait approcher, même ni une de mes.